Les lions passés dans le bail avec Nabisson à Souka, il y a trois rendez-vous. Last Sunday, I told you that le premier rendez-vous, c'était quoi? On était dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27, jusqu'à dans le verset 28. Le premier rendez-vous, c'était la mort. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le premier rendez-vous, c'est la mort. The first appointment is death. C'est-à-dire, Motonio sort Aza devant cet rendez-vous-là. And everyone goes through this appointment. Comme Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. And after that comes the judgment. Le deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est le jugement. The second appointment is judgment. Et le troisième rendez-vous, c'était l'enlèvement de l'église. This one you can't escape. Et ça, l'ibosone à chacun de nous. La mort. Death. Le jugement. Judgment. Et le retour de Jésus qui est accompagné par l'enlèvement de l'église. Et c'est ça, comme je vous ai dit, que notre thème est ça, l'ignorance qui règne dans nos églises. And the topic is ignorance that reigns in the church. Et aujourd'hui, je pense, c'est les 16e série à enseignement en haut, mais nous en allons petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a Koye Kola. And we're going to go through this topic small by small. So mais n'oublie pas ces trois rendez-vous. There are three appointments. Parce que peut-être aujourd'hui je vais nous parler de ces trois rendez-vous-là. Je vais vous parler de cela. I'm going to speak about these three appointments. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais nous allons petit à petit. There's a lot of things to speak about, but I'll go through it slowly. Now, go. The book of, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous sommes dans le verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans le verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. I don't know if you are there, open your Bible and the sister Fatuma, you can help us to read the word of God. 1 Thessaloniciens 4, 13, je lis au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Nous ne voulons pas, frères. Ça, j'ai commencé ça depuis longtemps. I've been speaking about this for a long time. Chaque fois on parle d'ignorance, on s'adresse à nous, les frères. Et de bien-aimés. Quand on parle des frères, ce sont des frères dans le Seigneur. And we're all brothers in Christ. La Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Sister, continuez. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un ange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec elle. C'est habité ce qui est dans la Bible, comme différent. Mais je pense que nous serons toujours avec le Seigneur. Et ça, bon côté. Après, Balobini.
Consolez, comment? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire, every time to lobe la kayango, to te a kayango, to rappe la kabato makambo ango. We have to remind people of this thing. Palobi, je ne veux pas frère. Nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance. So I would not have you to be ignorant. Au sujet de ceux qui dorment. Concerning them which are asleep. Mais, au bazar, ceux qui ont français courant. Dans les livres des français courants, dans la Bible des français courants, Balobi, frère, nous ne désirons que vous ne, nous ne désirions que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts. Ici, dans les français courants, Balobi, au sujet de ceux qui sont morts. On nous parle ici des gens qui sont morts. I hear they're talking about people that are dead. Balobi, afin que vous, na français courant, Babi, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres. That ye sorrow not, even as others which have no hope. Qui n'ont pas de l'espérance. Which have no hope. Ozomona, c'est-à-dire, liwa, bolana na malam. Domaine au peut-être bateau, ming balingaka. Tote yangote bien batu balinga koyoka yangote. Some people don't like to hear this. Mais comme la Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? La mort est devant nous, nous tous. La mort est devant nous. Ce qui est très important, seulement de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. We all have to accept Jesus as our Christ and Savior. Parce que nous voyons les gens meurent. Because of the people, les gens meurent. Même en Afrique, les choses sont très difficiles. Quand on a les réseaux sociaux, on a une photo, on a une photo. Les gens meurent. A lot of people are dying. Quand on a les réseaux sociaux, on a Facebook, on a une news. And if you go onto social media, you'll see a lot of people who are dying. Même les hommes de Dieu, parce que Zanzela, à Moutou de Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ezanzele a motonyoso mutumokota kotikala éternellement sur cette terre chacun de nous et Jésus aussi a passé par là. Everyone's going to die, so did Jesus. Alléluia. Mais ce qui est très important, c'est la mort selon la volonté de Dieu, non pas selon la volonté des hommes. And death is the voluntary of God. Mutakufa selon volonté en Zambé, non pas selon la volonté des gens. It's God's voluntary. Alléluia. Mais nous allons parler parce que ici, dans ce contexte, la Bible nous parle de la mort, de la résurrection des morts. The Bible talks about death and et la Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église. The Bible talks about the lifting of the church. Si nous sommes dans le verset 14, if we go to verse 14, car si nous croyons que Jésus est mort et il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera en Jésus avec lui ceux qui sont morts. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also will sleep in Him. Ndebi wana na ngana lobelo komoko balobi ke balobi bisona nde balobi awa afin que nous ne soyons pas tristes comme les autres qui n'ont pas l'espérance. They will sorrow not even as others which have no hope. Ezaka pasi kobungisa moto, kobungisa papa, kobungisa mwasi, kobungisa bana. C'est difficile. It's hard to lose someone that you love. Kobungisa moto moko azaki très cher na yo. Someone that was very close to you. Parce que mais ce qui tozongi na liloba na Nzambe, toza na maturité. Tokomona ke Bible bi tozala te lokola bato mosusu oyo bazolela bazangi elikia. The Bible says not to be like those who. Mais nous balobi que nous si nous croyons que Jésus-Christ était mort et Jésus est ressuscité. And if we believe that Jesus died and rose again, croyez aussi que par Jésus Dieu ramènera. Hein? Et ça commence. Na 14, s'il te plaît, tokende makambo wana pour ça très important. Ah ouais, basa qu'on parlait, les apôtres ils ont enseigné cela dans l'église. Ils ont enseigné au peuple de Dieu. And they're talking to the children of God.
Kuna balobi ke consolez-vous les uns les autres par ces paroles. And it also says to comfort one another with C'était the word. Les enseignements, les apôtres ils ont eu du temps à enseigner cela au peuple de Dieu. And the disciples were speaking to Souvent, ma message boyo dans nos églises battait à côté. And in some other dans nos églises, on nous prêche seulement l'abondance, la délivrance, la prospérité, tout ça, c'est bien aussi. Some talk about deliverances and prosperity. Mais la Bible nous dit, les trois rendez-vous sont devant nous. La mort, le jugement et l'enlèvement. And the three appointments that are before us are death, judgment. Tu peux aussi recevoir de prospérité, de bénédictions, de matériel sur cette terre, mais devant toi, il y a aussi la mort qui t'entend. And death is coming your way. Maléluia, ezali boso na yo. Death is in front of you. Ce qui est très important d'abord, il faut d'abord Jésus a régné comme Seigneur et Sauveur. But Jesus has to reign in your life. Si Jésus règne dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, and if Jesus reigns in même your la mort physique vient, even when physical death mais selon come, la parole de Dieu, osa assiré. Okay, et si ka ya malamu. But you'll be assured that you'll go to a good place. Palomi na biso, soki to continue na 14 wana, si nous croyons que Dieu, si nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par à Jésus avec lui ceux qui sont morts. Even so, then also which sleep in Jesus will God bring. Na verset 15, Palomi, voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivons qui restent par l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Dans verset 16, Balobi, car le Seigneur lui-même a un signal donné. For the Lord himself shall descend from heaven with à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, and with the trump of God, descendra du ciel, and the dead in Christ, les morts en Christ. Hein? The dead in Christ. Balobi Awa, hein? Balobi, les sons de la dent, les morts en Christ se ressuscitera. Come on. Les morts en Christ se ressuscitera. Les morts en Christ se ressuscitera. Bosso mutusiko kufi na liwa mususu. If you die with something else. Okufi, toi, tu étais fidèle au prophète Matezo. Otokeka na bakombo pona kaza na ba problème na batute. Na kenga na prophète Matezo. Toi, tu avais reçu le prophète Matezo, c'est ton prophète, c'est ton Dieu, c'est ton Dieu là. Hein bon, les prophètes Matthieu, ici la Bible nous dit, les morts en Christ ressuscitera premièrement. Et ce que Koufino peut-être na makamususu na banzela mususu tout ça, sans Jésus en vous, vous êtes perdus. And if you don't have Jesus in you, ba oyo ba kosekwa ba oyo ba kozana enlevé na son ya trompette de Dieu, la Bible nous mentionne ceux qui sont morts en Christ. And the people that will hear the trumpet of God are those who are. C'est-à-dire ici nous voyons la Bible nous enseigne sur la mort, la Bible nous enseigne sur la résurrection, la Bible nous enseigne sur l'enlèvement de l'Église. C'est ça, c'est que le Seigneur avait nous enseigner aujourd'hui. And the Bible talks about death, resurrection, and the lifting of the church. Parce que c'est ça le rendez-vous qui sont devant nous. And this is the appointment that is in front of quand, na 16, quand la Bible nous dit, dans verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, le mort en Christ ressusciteront premièrement. And the dead in Christ shall rise first. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur où nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Ceux qui sont morts en Christ et ceux que nous qui sommes vivants, la Bible nous dit dans clin d'œil, c'est ça. Et que ça, le changement, que ça, la mawana,
Ça, ce sont des mystères. Et ça, ma bombe, ma mère, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. It's a mystery that we don't know. Et la Bible nous dit dans clin d'œil au son de la trompette de Dieu, et nous qui serons vivants et les gens qui étaient morts en Christ ressusciteront, nous tous nous serons allés dans les airs à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Nous serons tous ensemble élevés avec eux dans le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Nous serons toujours avec eux. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Comfort one another. Donc les uns les autres par ces paroles. With these words. C'est pour cela que c'est très important, plutôt important, quand nous sommes vivants. Toi yamba Jésus le kola mo concipé mo big ici. Jésus est la Seigneur nanga za la sauveur nanga. Loba. J'invite tout le monde à confesser, dit Jésus. Allez, everybody to say that. Dit Jésus. Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Règne comme Seigneur et sauveur. Règne comme Seigneur et sauveur. Je te confesse. Je te confesse. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Sauveur. Sauveur. Tu étais mort. À ma place, tu avais pris mes péchés. Je suis béni, je suis délivré par ton nom. Amen. Amen. Some people come to church but haven't accepted Jesus. You hear the word of God. Mais est-ce que tu as reçu Jésus? But have you accepted Jesus? Romains au Loba, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, Dieu a ressuscité Christ dans ton monde, tu es sauvé. Mais tu viens dans l'église, on a le confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur. You come into the church, but you haven't accepted Moi, je me souviens, dans notre église au Congo, Haïfa, dans l'église de Maman Toumba Chamba, pour entrer, il y a un protocole qui a été mis en place. Il faut dans l'église, il faut confesser Jésus. And everyone that had to enter the door had to accept Jesus. It's a system that is very good for people to come to church but haven't accepted Jesus. It's a good system because some people come to church but haven't accepted Jesus. To be saved, you have to accept Jesus. And to be saved, you have to accept Jesus. If someone does not accept Jesus, and that person Mais vous allez lire ma messe de requiem, vous allez lire ma venzamba somuli monae. La Bible nous dit, Zambaza ba koufite, Zambaza biso tozana na bomoi. Pour être sauvé, il faut que tu arrives à confesser Christ dans ta vie, dans ta bouche, comme Seigneur et Sauveur. And to be saved, you have to accept Jesus with your mouth. Ceux qui n'ont pas confessé Jésus, t'es même pas au salé l'eau veillée. And even if you haven't accepted Jesus, vous avez perdu. You have lost. Okay, quelque part, na séjour de mort, na enfer. And you'll go to hell. Et plus tard, okay, na fée éternel. And you'll go to an eternal hell. Mais la personne qui a donné sa vie à Jésus, given la personne qui a reçu Jésus, même dans les derniers temps de sa vie, and even if you accepted Jesus in the last la personne qui paye là, il est là, tout ça, azana makamba dire, plutôt azana ba makambure musu ekanga yeme. Na dernière minute, il arrive à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Akeina ici kamalam. And someone that's accepted Jesus in the last moi, en tant que prédicateur de l'Évangile, attends que la personne qui est un étudiant de la parole de Dieu, someone that studies the word of God, la personne va zotambo la peut-être na vie à mabe, someone that's walking in the Bible, na vie à ignorance, in a way of ignorance, mais na ba période ya suka ya vie na ye, but in the last moments of their il a donné sa vie à Jésus, they've given their lives to Christ, et cette personne là est morte.
And that person died. Okay. Pour être sauvé, il faut que vous arriviez à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. And to be saved, you must accept Jesus. Mais si tu arrives tant que tu es vivant, tu refuses de recevoir Jésus, là, tu es perdu. And if you're alive and refuse to accept Jesus, then you've lost. Parce que ici, la Bible nous dit, ceux qui sont morts en Christ. Those who have died in Christ. La personne qui est morte en Jésus, c'est la personne. Tant que Wazala qui vivait, il avait donné sa vie à Jésus. When they were alive, they gave their lives to Jesus. Bola na madame. Moto mususa koko Wazala peut-être a ébagué dans un bétail, zaki na vie moko ya mabé tout ça. Someone could have lived in a bad life. Na azo na mbeto hôpital na kufa. They were in the hospital. Basi na nzambe baye ba mbisi ya Yesu. And pastors have moto wana kufi. Accept Jesus. Ah, okay, nesika bien. That person is not going to be ressuscité. That person will be. Mais la récompense Seigneur a copé sa bateau. Il y a gozala na récompense différemment. Peut-être na biso to sali l'anzam. Peut-être na biso to yambi Jésus, na biso to zote ya, na biso to zo sali l'anzam. Tant qu'on copé sa biso ba récompense. Il est gozala n'est moko na ngati. Il est sauvé, mais a gozana récompense na ye salaire na ye, ya li futi na ye, a gozana salaire te. And so it will be different to the people that are sauvé. Jesus their whole life. Il est sauvé, à côté de là tout ça, mais récompense na ye. Their rewards will be different. Couronne na ye, c'est la différent. Na couronne na moto a te dit le balanza, mais na moto a persévéré, na moto a sa fidèle na nzamba, a sa kobanga nzamba. Tout ça, ça est que la différent. Their rewards will be different to someone that has preached the word and persevered. Dans ce contexte, totangi, la Bible nous enseigne trois choses. From the word we just read, this big la mort, death. La Bible nous parle de l'enlèvement. The Bible talks about this. Et la Bible nous parle de la résurrection. And the resurrection. Est-ce que la résurrection est réelle ou est l'interrogation? Est-ce que la résurrection? Bah nous allons monter pendant 5 mois. Comment se voit monter? Sera si qui n'a monte? So nous allons si qui n'a monte? We need the resurrection. For example, if someone. Zamboni aye bimiswa boye. Nous ne parlons pas nos paroles, nous enseignons la parole du Seigneur. We're speaking on the word of God. Et quand dans la mort, ils ont un bancamoupé, bah surprise, bombamé belé quand la personne meurt. And there's many surprises when someone dies. Alléluia. Ce qui m'a fait, c'est un bancamoupé belé, où ils ont un surprise dans la vie à battre si qu'à battre bakendak. And there's a surprise in what death is. That is the way is an dengue to pansaka. Na is that different and dengue to pansaka. And death is different to how we think. That is soki muto akufu is a kaka separation ya ama moto na esprit ya moto bimi na nzoto physical yo. And your soul leaves your body. Moto ena za study ra bimi na kati ya nzoto yo ebo yo kage nzoto ekufi. And that soul will leave your body. Yo boyo kwa muto alala ki akufi. L'enlèvement de l'église, c'est biblique. La résurrection aussi, c'est biblique. Et la Bible aussi parle de la mort parce que Jésus aussi a passé par là et Jésus avait vaincu la mort. And we must speak on that because Jesus went through it. Bisous toko banga la mort parce que Christ a vaincu la mort. And we won't Jésus a résolu cette solution de la mort. Jesus found the solution. Donc la Bible nous dit. Toko banga te po Jésus Christ soit le kaki na kufa apesa ki pe bato nyoso ba kondimela e bato na nyoso nzamba ko mema ba mope na la vie. And Jesus will bring those who are dead. Mais ezala la douleur kozala na moto to fandi to yebani papa mama moto akende eza très difficile ezala na ba douleur en tant que humain. And it's sad when someone that you mais ce qui tozongi na liloba na nzambe Jésus a résolu. Il avait donné la solution sur la mort. Jesus has given a solution to death. Apocalypse chapitre 14 verset 13 Balobini. Revelations 14:13. 14:13.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, et aidez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car les œuvres les suivent. Merci, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Errez, les présents, les morts qui meurent, dans qui? Les gens qui meurent dans les gens qui meurent dans le Seigneur. Les gens qui meurent dans le Seigneur. Mais si la personne meurt, au coup dans le Seigneur, and if you die but not in the Lord, you died in the Lord. You died in the Lord. Car les réserves que Salanini et que Landabangotou, en lisant ce contexte, j'ai compris que après la personne qui meurt, va kendaka quelque part. After someone dies, they quand la personne meurt, il va quelque part. When someone dies, they go. Et maintenant, ça dépend maintenant de nous, quand nous sommes vivants sur cette terre, quand ta façon de marcher, ta façon de faire des choses, déterminera maintenant là où tu vas partir. Et si Kayoko Kende, et ça dépend maintenant tant que vous en avez un mot. And the way you go depends on how you live your life. Parce que Abalobi Essengo. J'ai entendu la voix qui disait Ere. Est-ce que ça va Essengo na bato bazo kufu? O mutu pena na matanga moto pena muta kufi bin boyo kolba Essengo Essengo. Ba munu pito oyoni. Bo bato bazo lela, yozo ya Essengo. You will be joyful when someone dies. Parce que au moment où la personne meurt, elle a douleur, tozolela, batu tout ça. Mais Bible les autres va avoir et ceux qui meurent dans le Seigneur. And it says here, blessed are the dead which die in the Lord. Quand balobi baké kopema en Christ, quand la personne meurt, accueille kopema. And when someone dies, they go to rest. Rest. Maybe même ils ont la rotambole, rotambole. You need to rest. You osali, osali. You need to rest. Mais la personne qui a donné sa vie à Jésus, au moment où il est mort, la Bible nous dit, il est allé se reposer. When they die, they rest. Alléluia. Et dans l'Apocalypse 19, verset 9. And I'd like us to read Apocalypse 19, 9. Et l'ange me dit, écris, errez ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ah, l'ange me dit encore, écris, errez ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et c'est ngona baoba bengami. Blessed are they which are called unto the marriage supper. Balobi, car cette parole sont des paroles, sont des véritables paroles de Dieu. These are the true sayings of God. Bon, madame. Le Seigneur veut nous enseigner sur tout en savoir ou bien connaissance sur la mort, la résurrection et l'enlèvement de l'église. And God wants us to understand these things. La Bible nous dit ici pour nous les chrétiens, nous ne mourrons pas, nous se reposons au pemi moto kufi akeko pema. And as Christians, we don't die. Parce que après la séparation de cette corps avec nos âmes et nos esprits, molimo ya moto ane kenaka quelque part. And when there's a separation between your body and your soit spirit, que, your spirit goes devant le Seigneur, soit que na enfer ou il va se benga séjour de mort. And you either go to bon hell or hell. Na azolinga toye basiko quand la personne meurt, akenda kwa espace ou en avant nous résurrection salama. Il est mutuana za situé wa. And I want us to understand where your soul. La Bible nous dit le son de la trompette sonnera.
ceux qui sont morts en Christ. Mais la personne là qui est morte en Christ, il est où maintenant? Il est où? Je vais maintenant vous parler de cet espace-là. Quand la personne meurt, cet espace-là avant la résurrection, il est où? And that person that dies before the resurrection, where are they? Mais comme je vous ai dit que pour mon toit qu'il y a des places où il y a qu'aucun, ils ont dépendre une moto tant que nous en vivant. And for that person to go to the place that they quand il est vivant, ça déterminera maintenant. Ta décision quand tu es vivant, ça va maintenant déterminer là où tu vas aller. Where you'll go when you die in Christ. Alléluia. Parce que ici la Bible nous parle le fait de la noce, le fait de la noce awa ça sera maintenant tant l'enlèvement et sarami, batunde soko bakena fête ya libala. And when the resurrection happens. Et si qu'on dit que nous serions avec le Seigneur, ça sera ceux qui sont morts, nous les vivants, te changer, te go au kutana avec les seigneurs dans les airs. And when we die, we'll change and go up to the Lord. Et si kawanande si go fête de la noce que ça là-bas. And that's where the marriage supper will happen. Moi, je veux maintenant vous parler période où ils ont la qui ont le belabis, la période là la personne est akufi. Période où on a aya kewa, moto akufi akewa. And I'll be speaking on the period of. Tokuni nzoto, nzoto ezali. Il y a trois parties. And when a person has three parts. Il y a trois parties dans notre corps. And we have three parts to our body. Dans notre corps, nous avons trois parties. And in our bodies, we have three parts. Vous en avez mal à moi. Dans notre corps, il y a trois parties. In someone's body, there's three parts. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 balobi. Dans l'homme, nous avons trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. We have the body, the soul and the spirit. Trois parties. Voilà, madame. Ça, c'est toi, c'est ton corps. This is your body. Ça, c'est ton corps. This is your body. This is your body. Otozomona, nzoto tozomona physique. This is our tozomona. Physical body. Envelope. The envelope is your body. Na kati envelope. Inside of that envelope. Eza na âme. Is your soul. Am siko eza letro ba komelio. Un paper o eza na kati envelope. And the soul is the paper that they've written to you. Paper o eza na kati envelope. Yamonde eza siko amena yo. And the paper. Mais ce qui est très important aussi na paper ezali siko yo makambo ba komi na kati a lettre. And inside the paper is what they've written. Nepeso ko comprendre. Ma kambo bekritiru eza na kati ya lettre. Bumunde na komi o bekritiru eza. And the letter. Eza li loko la trois parties. And that's the three parts. Corps. The body. Âme. The soul. Na esprit. And the spirit. Souvent âme na esprit ekangama kanango eza kanango ensemble. And the soul and the spirit are together. Il y a un détail dans toutes nos décisions, tous nos amours, tous nos sentiments, tout ça. Et dans la carte, il y a âme na biso. And the soul brings happiness, joy, and. Si quand la personne meurt, moto akufi, c'est la séparation de l'enveloppe avec l'âme esprit. L'enveloppe et l'âme et esprit. Ça, tu quittes cette enveloppe, la personne est morte. And if you remove the envelope, that person dies. Tango. Moto akufi ezaka ka enveloppe longwe na kati. And so that the envelope removes itself. Nzoto boke bokundi yango. You bury the body. Mais âme na yena esprit ekewa. Siko na période na parce que âme na esprit to mona ngote. Eza quelque part. But we don't see the soul or the spirit. Est-ce que bolota ka pe bandoto la olati olul olali ozo sentir que présence moko ya mabe koti na ndako. And if you're dreaming, do you ever? Quand on se sentir présence wana koti, hein, ozo linga ola mukusuko kokola mukati. And you want to wake up. Ça dit ton âme et mon esprit sont en danger. Ton âme na esprit na yo, tu te sens que vous tu es dans une danger, mais ton corps ezo kokola mukati. But your body isn't able to wake up. Et c'est pareil aussi dans la mort. La quand ton moto akufi ezaka ka séparation ya nzoto na amna esprit ya moto. And the death is a separation of the body. Bona mama, siko makambo nde makomi na kati ya lettre oyo nde ke destiné if where you can go in the future. And what they the things they are writing
You are waiting the answer of immigration. Then you receive or receive. You go down to pray God and it. Ofumuli no envelope. Envelope is no problem. Ozana letter. Osimina no letter. It don't be no problem ite. But wait, that is better. Makambo basali ni ni wakomi. Ego tindo manogo better bashit. Ego manogo tindo manogo lela. Makambo bakomi wana. Ego kanu muga bukiye. Living in the UK. I use also say Okawana. Remaining, yes. So, c'est-à-dire que nos œuvres que nous faisions ici, ce qui met dans le Seigneur, leurs œuvres, nos œuvres vont nous suivre parce que ton œuvre, il y a écrit, oh, et comment mis. Et comment mis dans l'être, l'être, quand nous vivons sur cette terre, tout ce qui est en Jésus, peut nous aider à la malade parce qu'il y a un monde qui est déterminé, mais si qu'il y a un monde qui est. And whilst we're living, we must accept. Jésus avait donné la solution à la mort. Jesus has given a solution to death. Si vous lisez Apocalypse 1, verset 18, Jésus a dit, j'ai été mort, je suis vivant des siècles et des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. He's given us the keys of death. Jésus, c'est lui qui tient la clé. Jesus has the key. Je mutoyer a kangi porte to comme la difficulté to bime. Soit la shuts the door will have a difficulty to. Et si ko so penza ba eza penza beton penza. Poto bima to kangamia. Mais la personne qui dit que c'est moi, je tiens la clé. To luka muto a zo simba fungula. We'll look for someone that has the key. Bato bazanga na ba prison, a sale 10 ans na prison, pona ni moto moko a simbi fungula na ye. And someone will spend 10 years in prison. Maintenant Jésus a dit, na kufi, na skufa ki na sekwi, na simbi fungula ya liwa, na simbi pe fungula ya séjour de mort. And if I die, I will hold the. Bona na mala. Moto soka kufi, oza na Yesu. And you have to. Moto wana za na place a kendaka. That person has a place of. Place ya malamu. A good place. Oto lobi ke envelope na ye wana envelope. Envelope nde bakundi, bola na envelope bakundi ya. And they buried the envelope. Kele ke swa ndi bakokunde la ye. No matter how they bury it. Moto bakoku akoku fana mai, nzote mona na te. Akoku fana na moto, nzote mona na te. Mais âme, na esprit na ye. Et ça sans corps. Et comme il m'a moto, et comme il m'a apo, et ça sans corps. It has no body. Mais tant que la résurrection, cette corps-là sera ressuscité. But when the resurrection peut-être que vous comprendre en mot, pour vous comprendre, et que de n'a pas un exemple à moquer. Let me give you an example. Motango vous allez infirme. Mais dans la résurrection, personne n'a besoin d'être infirme. Quand la personne, chacun de nous, sera ressuscité, il sera infirme. Dans la résurrection, Bible solo bela biso, bato soka zaki infirme, zaki faible, apose kwa nanzoto mususu. Mutsoka zaki infirme, zaki na libo kote, zaki na misute, misute. Tamba apose kwa koza la bien. But when they resurrect, they'll be good. Ba résurrection pe eza ebele. And there's many resurrections. Bola nanga, ba résurrection eza ebele. Mais première résurrection, ceux qui sont morts en Christ sera premièrement ressuscité. Alléluia. La résurrection est différente. Mais première résurrection, ceux qui sont morts en Christ. La personne qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là, s'il meurt aujourd'hui, quand le son de la trompette va sonner,
akoyoka yango esika aza wana molimo na ye âme na ye eke kofanda esika akimia me nzoto na ye ntango ange akobeta son ya trompete esika âme nini esprit ni ekende kofanda eke zonga na nzoto na ye moto wana sikoyo akolamuka mpo ye aleka liposo ya jugema bola nanga malamu na jugema moto fo azala yebo moto ne nyonso eya mateya moko tre difficile mais c'est la parole de Dieu. Bola na moto akufi bakundi ye akokufa na mai akokufa na moto tusa nzoto na ebungi me nzambe wana asala biso ayebi biso ame na ye na esprit na ye ekekende nde quelque part soki moto wana ayebaki nzambe te ntango azalaki vivant aboyaki nde liloba na nzambe aboyaki nde jésus christ akokende kofanda na enfer enfer ezali séjour de mort. Voilà, non, madame. Enfer, et ça, c'est jour de mort. Ok, kofanda, et ça, détention. Voilà, non, madame. Tu pries pour un frère, tu as une détention. Ah, et ça peut être un esprit moussoussou, parce que kofanda, il y a détention. And there's some spirits that détention, et ça, voilà, moi, prison, moi, go, et ça. Like a small prison. Bâton, yo, so, bakoufa, parce que kofanda, dekuna. And everyone that dies goes in. Mais au bazar na Jésus, bon là, voilà. Na détention, they won't live in that la personne qui a Jésus dans sa vie, a na détention, with someone that has Christ in them. Yo, na détention, na détention, bon Jésus, Jésus, te. Wana de soki a koufi. Nzoto neza na sa mabele, ya ko sekwa, mais ba ko sekwa plus tard. Parce que la résurrection, et ça va résurrection, et ça peut ma catégorie à la résurrection. Même bato ma koufa na tango Adam. Bato ma koufa na tango Abraham. Bato ma koufa na tango ba Noé. Ba ko se kwa me, awa bazo parler na biso na nous d'abord, ceux qui seront ressuscités, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, le monde en Christ d'abord. Mais moto oyo a boya Jésus, a boya Yesu, a ke kofanda na détention. Na monde ba esprit. Ba bengi yango enfer. Ba bengi yango séjour de mort. Enfer ezali esika le feu éternel te. Bola na malam. Bola na malam. Parce que toi on a confusion. Bola na malam. Mutu soka ku bola na. Tant que Jésus a koyeba ko bwaka batu na bon wana nan ba funguli yango te pourquoi nous sommes na moni mutu na azozika azozi oh wana nan ba funguli yango te they haven't even opened up hell yet lac de feu ou bien le feu éternel et si ka ba ko bwa asiko batu na la mort na séjour de mort et que ne kuna na moto éternel wana nan ne fungwa mité wana nan ezay inaugurité moto soka kufi. Azangi Jésus. Motoana akendo kofanda na séjour de mort. Séjour de mort oyo tobenga enfer. Eza détention. Afandi wana azozela kuna pe banyokola bango. Nyokola bango souffrance. Souffrance pesana mutabo zuzu banana kuna. Suffering starting there. Nazo parler na bino n'espace ya l'enlèvement de l'église. Na la mort. C'est-à-dire que nous sommes avant de la ressusciter. Avant de la ressusciter, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là. Mais nous sommes là, Jésus. Nous sommes là. Ok, en enfer. Ok, na séjour de mort. Est-ce que la résurrection est réelle? Est réelle. Bible, nous sommes là. Ok. Mathieu va dire à mon soutien de l'église, au terme au pasteur de l'église, à miner le repas qui s'abat au Missus. À terre, va le voter. Pasteur a besoin à terre, mon souci au terme. Mais Jésus a dit que consolez-vous de cette parole. Alléluia. Toyo kakayango, ermogo, po. Bisoto banga liwate parce que Jésus avait vaincu la mort. Matthieu 22, s'il te plaît. Matthieu 22. Matthieu 22, t'as pas besoin de alors est-ce que la résurrection qu'elle a là, au moins la paix sert en Christ. La résurrection qu'elle a là, t'es, elle va m'accabouer qu'à là. T'es, Bible, le bien a mis son ici. Pas le bien.
Matthieu 22, nous lisions les versets 23. Matthieu 22, 23. Les mêmes jours, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourit. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourit aussi. À la résurrection, duquel de sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Dans la résurrection, duquel de sept sera-t-elle? Dans la femme. Moi aussi. Voilà, Jésus. Asking Jesus. There was a family. Et après la famille, t'as la famille awa. Esprit de mort résonne dans la famille. The spirit of death is following. Naga ta famille, maman moka kufeli bana set. And one brother. Bana set ba kufio kabo. Oh la la inga ke. Oh boy ke. Et la Bible nous dit awa, moi si oyo. Parce que Nathan ou Akalizaki, ceux qui m'ont parlé au Bali Mouassi, au Koufi, ne connaissent pas encore Kozoa Mouassiwana, pour apporter Bana, pour Banawana, mais pas Kozoa la Siko Bananayo. And in all the times, if you married your wife and you died, na famille moko, Bana babotami na mama moko, papa moko, sept bakei. Siko batuni Jésus. Si comme moi si yo ala ina mibali 7 kuna siko na résurrection abogara moi si ya yanani va continuer balobini. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Ah, soukana on a noir. Osomola, ah, bah, on parle sur la résurrection. And here they're talking about resurrection. Soukana zaki magambu moko vrete Jésus ngako boyam. And if it wasn't something real, then Jesus. Jésus alobi na bato, parce que les gens croyaient que est-ce que la résurrection de tingabo na zabo na sikonde nga na zabo. Na résurrection. In the resurrection. Dans la résurrection, nous serons comme des anges. And in the resurrection, we'll be as angels. Makambo mabala o mobali nangao. Eza biloko ase parce que là-bas, dans la résurrection, tokoskomba na nzoto ya ba ange. And in the resurrection, we'll become angels. Et la Bible nous dit dans le verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. Mais ils y seront comme des anges des dieux dans le ciel. Nous serions comme des anges des dieux dans le ciel. Mais avant de ressusciter, l'âme n'a esprit à mon Ezawa. La résurrection est biblique. La mort est biblique. L'enlèvement de l'église aussi est biblique. The resurrection lifting of the church is in the Bible. Toke na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 jusqu'à le verset 22. 1 Corinthiens 15 20. 1 Corinthiens 15 verset 20. 1 Corinthiens 15 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme,
C'est ainsi par un homme que venit la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Notre Seigneur est ressuscité des morts. Jesus was risen from the dead. Jésus est ressuscité, il est vivant. Jesus has been risen. C'est ça, Jésus a sa prémisse, a sa logo la exemple. Jesus is an example. Résurrection et que ça la pour y mon Jésus, a c'est quoi à quoi faire passer quoi qui. Nous aussi, nous serons aussi ressuscités parce que notre Seigneur est ressuscité. Balobi, maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme est venue la résurrection des morts. By man came also the resurrection of the Balobi, awa, comme tous meurent à Adam, de même aussi tous nous revivons à qui? Nanzelaya Adam pour faire côte à qui? Mais Nanzelaya Jésus, la vie est côte. Alléluia. Comme Jésus est ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. Les gens qui meurent en Jésus, ces gens-là entendront le son de la trompette et ces gens-là, un jour, ils y seront ressuscités. Zambazo tchana motema, ces derniers temps, je ne sais pas si j'aurai dit ton. Il y a côté à Matthieu où ils ont parlé de prophétie de la fin du temps. La prophétie où ils ont l'obé là, Makambo Yasuka. Mais avant de parler de ces prophéties, je veux maintenant vous parler les prophéties qui sont accomplies. La prophétie où est Kokisami, na la prophétie où est Kokisama. Ma passage Oyo est classé parmi ma prophétie on a le Kokisami te mais que Kokisama. And these are the prophecies that haven't happened yet but will happen. Ba passage on a passé à Esika à Thessalonicien parce que nous serons ressuscités l'enlèvement de l'église nous serons allés dans les airs et ça ma prophétie on a le Kokisami te mais que Kokisama. But these prophecies have been said, so, but haven't been. Peut-être plus tard, je vais enseigner parce que ma prophétie est belée dans la Bible et belée Kokisama et belée bientôt de Kokisama. And in the Bible, a lot of things have already happened, but some prophecies haven't happened. Parce que ma prophétie et dans ma prophétie, mon sous Ezali pour la nation Israël. And there's some prophecies for the nations of Israel. Ma prophétie, mon sous Ezali pour la nation païenne. Monsieur les apôtres n'ont pas juif, monsieur les apôtres n'ont pas nation, monsieur les apôtres n'ont pas bisou, pas chrétien. And some prophecies were for the Jews. Et si comme on dit, les morts en Christ se ressuscitera. Premièrement, ce sont des croyants, ce sont des gens qui ont donné leur vie à Jésus, c'est-à-dire l'Église. And those who have given their lives to Christ are the church. Alléluia. Et dans la prophétie, monsieur les apôtres n'ont pas juif. Et dans la prophétie, monsieur les apôtres n'ont pas nation. Et dans la prophétie, monsieur les apôtres n'ont pas Église. And there's some prophecies for the Jews and other nations, but there's prophecies for the church. Nazo ko menite yango peut-être so nzamba lingi na côté ya ko bando la tsata la ba prophétie o e kokisama ba prophétie o mususu e ke kokisama avec le temps. And there's some prophecies that have happened and some that will happen later. Mais Bible lobi na biso awa lokola bato ba kufa ki la mort est entrée par Adam, la vie est entrée par Jésus parce que Jésus-Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. La verset 22 Balobini. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Chacun à son rang, même la résurrection est en abara. Mais ceux qui seront ressuscités, premièrement, ce sont des croyants, des chrétiens, des gens qui ont donné leur vie à Jésus. And there's orders in which everyone will rise. La résurrection est en abara, il y a la résurrection. Ils appellent à Milongo, dans le groupe, il y a la résurrection. Parce qu'ils vont vivre dans une période différente. Ils vont vivre qui avant la grâce, avant la loi. Obitant Adam. Plutôt Adam et Ève, Caïn, Gomine de Konaye, parce qu'il y a une période de baloté. And there were different periods of time, like before Adam and Eve. Nathan à Moïse baloué et yé. And in the times of Moses. Bato va vivre qui sans la loi, baloi est là qui gravé dans ma pensée na bango. And those were
engraved into their minds. Mais Nathan à Moïse va pèser la loi, va tourner par Ogisé, par la loi. And they'll judge those people that were living in the times of. Bisous, tu veux vivre une période de grâce? Et ça, ma période est différente. Batuna bato baroza la juger selon leur période. And everyone will be judged differently according to the period they lived in. Na même ba jugement tant que les alay, obi ba manga musu se zalaga. Même muto azana poto ba ko juger différemment na muto azo fanda peut-être na village moko sika bisie ya lagate. And they'll judge you differently from someone that lives in the UK. Parce que yo zana poto zana ba avantage. You're in the UK, so you have advantages. Peut-être muto azana village azana ba avantage wana te. But someone in the village might not have those advantages. Vous avez la poto, vous avez la facilité à WhatsApp, vous avez la facilité à Facebook, vous avez la facilité à transport. Vous avez changé différemment. Dans mon toit, dans le village, WhatsApp est à la gâte, courrier est à la gâte. Même dans le jugement, et que vous avez la température, la condition. And they'll judge you differently from someone that lives in the. Mais ce qui est très important, la résurrection est réelle. And we have to remember that. Resurrection is real. L'enlèvement de l'église aussi est réel. And the lifting of the church is real. Dans 51 Balobini. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis quoi? Un mystère. Mystère, c'est un magambo tozoye baté, c'est un babilo mouwe bombami. A mystery is something that we don't know. Bah continuez Balobini. Nous ne mourrons pas tous. Un. Mais tous nous serons changés. Un. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pourquoi Malomi Boye? Parce que Bazoloba, quand le son de la trompette sera sonné, ceux qui sont en Christ sera ressuscité. Et nous qui sommes vivants, Bao Baza vivant, Batoana Bako Koufate, Batoana Bakozala, changé. Tokoma Nanzo Taba ange, d'être le Kokutana Jésus dans le heures. Those who died in Christ. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ça, quand le son de la trompette va sonner. So when the trumpet blows. Ça sera là avant l'enlèvement de l'église. That will be before the lifting of the church. Ça sera dans la période de l'enlèvement de l'église. That will be during the period. Mais tant que nous vivons, voyez. Nous allons vivre le rendez-vous qui est devant chacun de nous, c'est la mort. The appointment that is before us is. Mais la personne qui est morte physiquement, the quand le son de la trompette sonnera, à Koyoka Sonwana, na bato bakozala vivant, bato ndi bakozala vivant, bakokufate, bakokutana, tokokutana Seigneur dans les airs. And we'll all meet up with God in the air. Et après, va continuer, Balobini. En instant, en un clair d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Hein? Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Ah, nzoto yo, il y a pas si, il y a faiblesse et tout ça. Et là, tanzoto ya kembo, et là, tanzoto ya gloire. Il y a un autre temps que vous nous continuez peut-être ça. Je vais vous expliquer plus tard. Makamboyo. Et il y a un ami qui monte sur Kazaki infirme. Il y a un défaut dans notre temps. A vous savez quoi. A vous assoir infirme. A vous savez quoi. Pour monter une fois les canaux de jugement ensemble. Ce qu'on a dans Jésus, aucun n'a fait de l'annonce. Aucun qui passe dans Jésus dans les airs n'a fait de l'annonce. Ce qu'on a mis dans Jésus, c'est. Ah, vous avez dit que dans l'enlèvement plutôt, la résurrection ici, la personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, a un séjour de mort. And if someone hasn't died in Christ, will go to hell. Peut-être, donc dans Luc chapitre 16, verset 22. Luke 16, 22. Donc, tout le monde a dit que lieu de tourment, séjour de mort, au tout en enfer. Luc 16, verset 22. Luke 16, 22. Luc 16, 22. Les pauvres mourirent et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourirent aussi et il fit ensevelir. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie, en tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Hey, sous le nom noir. Ah, on va parler de la vie sur le bateau, il va aller à Koufi.
And we see that these two bayebanaki bisika. Bayebanaki bilongi. Bayebanaki bandako. They knew each other. Le pauvre Lazare et le riche. C'était personne biberobi bakufi. And those two died. They buried them. And their soul and spirits went somewhere. And when they went to that other place, la Bible nous dit, la mort et le pauvre mourit, il fit porté par des anges. Au moins, mon Christ au temps où a cassé son cortège à ma ange et à Okozoa comme Christ au Anna. And those who died in Christ are carried by angels. La personne qui a resté Jésus dans sa vie quand il meurt, ce sont des anges. Il y a un monde où on a besoin de l'ange pour soyer là. And that's why you hear many people. Mais nous avons coup fallu bien mon livre ange par côté Nanda Konanga. Angels have entered their home. La Bible nous dit ici. Il fit porter dans les seins d'Abraham et les riches mourir, lui aussi, baké bakundiye, mais à quelque se retrouver wapi dans les séjours des morts. And the rich man died and was buried, but tous séjours des morts existaka. Et ça est lié au tourbillon des tensions. Et ça invisible, mon anagate, ça invisible. And it's an invisible prison. Mais il y a des gens, oh peut-être magiciens, francs-maçons, les gens qui ont pratiqué la science occulte, ces gens-là vont nous visiter. And wicked people go to those places. Séjour des morts. When they die. Mais Balobi, dans les séjours des morts, il leva les yeux. Tandis qu'il était à Zakes, à souffrir dans ce jour de mort. Si tu as souffrir, ni niveau, nous avons donné quelque part. And that he was suffering because his body tombo was naïf, somewhere quelque part. His body was somewhere else. Tous les tombo ya riche, tombo ya pauvre. We see two mais ba âme na bango na ba esprit na bango esika ndeke. But their soul and spirits went somewhere else. Tala ba bina biso esika zaki azozanga même mai. Bon mai nini azolinga bela po mai za biloko physique. And that rich man lacked water. Mais na verset 24 balobi. Il s'écria, Balobi, il s'écria, Sister, il s'écria, Père Abraham. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son toit dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. N'allez pas comprendre. I want you to understand. D'abord, là où il était, il y avait une séparation. Et ça, bon, pour moi, c'est comme ça, il y avait une séparation. Hein? Dans les loin, Balobi, dans le verset, dans les séjours des morts, mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était, il vit loin. Et ça qui va mort. Et ça va mort. Et en moi, votre temps, rappelez-vous, là, d'après moi, ma camboune, il vit de loin. C'est-à-dire là où il y a Zalaki, na Esika Abraham Zalaki, na Lazare Zalaki. Place mon côté. And the place that the rich man wasn't the same place as where il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Bolananga. Ici, Jésus t'a donné sa histoire. On attend Jésus. And Jesus was given this story. Ici, Jésus n'en a profité. Jesus hasn't died yet. Et si quand ma croyant, bato bazaki ba juste, Emily mon abangwe bande ko kende, ba bande ko benga ngosen d'Abraham. Pourquoi parce que nous sommes d'Abraham? Parce que Abraham a dit que notre père de la foi c'est Abraham. Abraham's our father. Yango, bato nous sommes basés juste na période wana ceux qui ba kufi ba esika ba kenda kofanda bango ba kenda na séjour de mort, séjour de mort. Et après on a ba juste séjour de mort, et après on a ba méchant. And those people that lived righteously don't go to enfer. Et après on a ba méchant. And hell is for those en faire ces jours de mort, Isaac et Amomoko. Mais les gens qui ont les justes étant bandés au Koufa, bandés au Kenda, ainsi que babengi Saint d'Abraham. And righteous people went to Abraham's bosom. Mais la Bible nous dit, na Saint d'Abraham okuna, il a même vu Lazare. C'est-à-dire, parce qu'Aïeba qui t'a dans ces jours de mort, a reconnaître Lazare. And in hell, he could recognize Lazarus. C'est-à-dire, bah, toi, là, bah, koufi, tous les mouna bango, tous les mouna batombo na bango, mais bah, âme na bango, esprit na bango, ainsi que, bah, reconnaître que, où est Lazare?
Les personnes vont comprendre. And those people that have died, their souls are able to recognize each other. Toujours on a bango physique, tu sais, mais il y a des faits qui se passent dans le monde spirituel. But they can recognize each other in the spiritual realm. Il avait vu Lazare. He could see. Il criait Père Abraham. And Abraham. Et ceux qui ont continué, c'est Salomini. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. C'est-à-dire qu'il m'a rappelé même vie terrestre. Reminded him of his God will remind you of his God. They will remind you of all your problems. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ah, c'est-à-dire, abîme, c'est-à-dire, séparation, c'est-à-dire, mal au cœur, mais il est allé habiter ici qu'à Kimia. Mais tandis que ici nous voyons, dans la sucre, quand on va enterrer les gens riches. Regardez la cérémonie. Nous sommes dans le Congo, nous avons 650 et quelques municipalités pour enterrer. And in Congo, someone will die, but they'll put so much money. Dans la basse-terre, au Congo, musiciens vont couvrir, il y a gouvernement, municipalités et quelques. And a star will die in Congo. Il faut passer les mausolées, passer là aux mausolées. Bah, nous on a quand même visité ceux qui, bah, cimetière à Congo, tout le monde est tout le monde nous on va saler les pendants qu'on a dans la chambre. And we went to a cemetery. Nous on s'en va zagi, alors que footballeur, matinier, bah, nous on a balé na kat. Some was a footballer and they put football. Mais après, by his. Et si kaki, est-ce que qu'on a pas azobé tabac? But where he's gone, is he still there? Muzo azaki sular bachele benda baveri ya masanga tu sabo esika ke. Alleluia. Regardez Lazare esika kei esika ya soulagement ya consolation. Pourquoi? Parce que il avait Dieu dans sa vie. Parce que il avait Jésus dans sa vie. Pensez au delà de cette vie.
You have to think about your life. Non, la mort, mais la Bible nous enseigne aussi sur la mort. We'll go through it. La Bible nous dit errer ceux qui sont morts en Christ, leurs œuvres errer l'andabiso. And your works. Les œuvres de Lazare et l'andaki Lazare. And the works of Lazarus for. Il est la consolé. He was consolé. Mais tandis que l'homme riche azolela, homme riche azolela, alobi kutu, soko kitina se azol rappela bitala batindata Lazare kita akendo kote abandeko na. Même azoyi babandeko le batikali, bazapeka na vie amabi. And he knew that his siblings were living a bad life. Et ça pour moi, il avait cinq frères. Maman Lobini. Les riches dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Ah, envoie Lazare. Nous sommes là-bas. Là-bas aussi, il y a des prophètes. Il y a aussi des serviteurs qui prêchent. Les serviteurs, c'est nous. And Abraham too. Nous sommes là, nous te prêchons. And there are many people there to preach to you. Parce que regardez, la personne a koufi, mais là-bas. And someone has died, but they're thinking about quand nous sommes vivants, c'est très important à montrer aux gens Jésus, à montrer à tes enfants Jésus, à montrer à ton mari Jésus, à montrer à ta femme Jésus, à prêcher tes soeurs, frères dans la chair. Regardez cet homme là dans le monde spirituel, Azoko. And that's why you should show your family and friends God. Alléluia. Madame Moïse Bélé, mais moi je pense tout en arabe, deux passages, le reste je vais développer ça, j'ai dit en live. Mais tout le monde, Madame Moïse Bélé, pour toi, Kola, sur Bible, n'oublie pas, mamie, que ignorance, parce qu'on parlait sur ignorance. Aussi chez les saints qui sont morts. Apocalypse chapitre 20. Revelations 20. Apocalypse 20. Revelations 20. Combien de versets? Verset 5. Verse 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Errés et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Merci. Ici, on nous parle de la première résurrection. La première résurrection, quand les sons de la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ ressuscitera. Ça, c'était la première résurrection. La première résurrection est quand la trompette sonne. Ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir assurer. Parce que la vraie mort, ce n'est pas la mort physique. Oh, bah, tu vas couper. And the real death isn't the physical death that people experience. Parce qu'il y a trois sortes de morts. There's three types of death. Premièrement, c'est quand la personne est séparée de Dieu. C'est ça la mort. The first death is when someone separates. Quand la personne n'a pas Jésus dans sa vie, il est mort. And if someone doesn't have Christ in their life, they're Vous dead. Savez l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, histoire à moi na oyo atika ki papa kenda ki musika. And there's a story of the prodigal. Samwazongi papa lobi, regardez mon fils qui était mort, mais maintenant il est en vie. Il est en vie, mais il était mort. They are alive, but they're dead. La personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est mort spirituellement. Someone that doesn't have God in their lives, so that's la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Someone that is not the son of God does not have life. Et le deuxième mort, c'est le mort physique, la séparation de ses corps avec nos âmes et nos esprits, c'est ça la mort physique. And the second death is the separation of the soul and the body. Ça, Jésus avait donné la solution parce que Jésus était mort, il est ressuscité. And Jesus has given the solution because he's dans le livre de Jean chapitre 11 verset 25, Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. Mo naza lisse kwa moto akondimelanga akose akovivre même ici akufi akovivre. Someone that has died will still live with me. Jésus a vaincu, il a dit dans Apocalypse 1 verset 18, je tiens la clé de la mort et du séjour de mort. Here Jesus has the keys to death. Même séjour de mort, Jésus qui tient cette clé. L'enfer, c'est Jésus qui tient la clé de l'enfer. And Jesus has the keys to hell. La clé de la mort, Jésus, il tient cette clé. Jesus has the keys to hell. Mais la mort qui est vraiment très dangereuse, la mort éternelle, ici la Bible le dit, la seconde mort, et bien beaucoup, la seconde mort. And the most dangerous death is the eternal one. La troisième mort, parce que la troisième mort est la mort oyo moto au boya kinzambe au boya kinzambe te au kufi nanzoto et mort wana bazo benga da troisième mort Bible le bien deuxième mort est la mort oyo batunyo so bako cinq wana mukolo asuka et bato bako za la juger bako za condamner bako ende ko waka bango sikoyo na la fait l'acte de fait éternel et batouana babi que wana babengi amonde la seconde mort. Mais la Bible nous dit ceux qui te tangi errer, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils y régneront avec lui pendant. Parce que Jésus, il va régner pendant 1000 ans et après, bah, qu'on restaurer, bah, qu'on changer mon kilioyo, bah, qu'on longola mon kilioyo, bah, quoi qu'il y ait, na moto, bah, longoli, bah, kangi Satan, bah, quoi qu'il y ait, na moto, même kufa, bah, kangi, bah, quoi qu'il peut kufa, na moto, et bah, nzam, bah, sali mon kili, yasika. God will make a new world. Yango, soko tangi na Apocalypse 21, na première verset, wana babike, bah, qu'on sala mon kili yasika, bah, qu'on sala l'ikolo yasika, na mon kili yasika. They'll make a new heaven and a new earth. Maintenant, 11, walobini. Na Apocalypse 20, 11, Walobini. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant les trônes. Ah, j'ai vu des morts. Les morts, ah, parce qu'on bat au nion, on bat au faka, on bat au faka na tangwa Noé, on bat au faka na tangwa ya Adana F. J'ai vu des morts, hein, les grands, les petits qui se tenaient devant, devant les trônes, des livres, filles. Tu vois, ma livre, on a ma communique. But what have they written? Ba livre wana ba kominini misala na biso to sala rande komami wana. And the works that we have done. Ce que nous faisons sur cette terre, c'est écrit dans ces livres. And everything we do. C'est pour cela que c'est très avantageux de recevoir d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur et maintenant à commencer à travailler pour le Seigneur, à gagner des âmes, à évangéliser, à prier, à tout ça. Mais le quoi n'y en sort. La Bible nous dit. Quelque part, Ecclésiaste Zoloba et lobby que Dieu amènera toutes ses œuvres en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal, sera passé dans les jugements. And everyone will go through judgment. On bien, la période on a bien, mais je ne sais pas, bané au Brésil à Koufaka. Mais, ton coco l'a vu sur le Brésil. Total un film à Brésil. And this actor. Was props died before. Ba recorda ki ba film na e total la ngo. And his films we watch. Salir ke mukilo ne to vivra na bonzambe pe asala ka recording ya our life. God is making a recording to about your life.
Depuis au bota mandengozoko la tout ça. La Bible nous dit Dieu emmènera toutes tes œuvres en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Ecclésiaste chapitre 16, si vous commencez dans les versets 15, si je me trompe. Zamba ou même misala la bisonios, yamboye, les sujets de Dieu amènera toutes tes œuvres en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Yamo, c'est très important à donner nos vies au Seigneur, à recevoir Jésus, à travailler pour Jésus, parce que dans cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Soko ke na ba cimetière, au monde, on va 800 ans. 800 ans, à Koufa déjà 800 ans. And if you go to cemeteries, you'll see people die. Tu connais le cimetière, et dans le cimetière, nous sommes à Awa, na ba Londres, qu'est-ce que nous. Mais quel est le cimetière, moi, à Londres, c'est comme. I went to a cemetery in London. 800 ans! 500 ans! Mais jamais moto wana sikala ko sala ba ne wana tanga zaka vivant. C'est-à-dire là où les gens bazo kende ezo ko zwa batembele par rapport quand nous sommes vivants. Mais pourquoi pas se préparer et si quand tozo kende et tous ala bien par rapport et si quand tozo vivant. And we need to be good. Négliger cette vie parce que nous avons besoin de cette vie. Tous en ma vie malamou, tous en ma malam. Mais c'est très important aussi à penser au-delà de cette vie. Alléluia. To think about our life after. Dieu a donné la solution. La solution c'est Jésus. Jesus has given a solution. Après Balobini, livre fumwami, hein? Les livres de vie. C'est lui qui est le livre de vie. Et le mort fut jugé selon les réserves après ce qui a été écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient. La mer rendit ses morts. Le séjour des morts rendit ses morts. Et même lui, la mort. Et chacun fut jugé selon. Motonio soit la sambami selon les réserves. La mort, la mort, le séjour des morts, fit jeter dans les tangues. Ozomona, et si Kasiko, Moto, Zika, Babengiango tangue de fée. And the fire that people. Kote Moussou Babengiango, lac de fée. Lake of fire. Dans Matthieu 25, verset 41, Babengi Ango, le feu éternel. And in other verses, it talks about the. Alléluia. Amen. Babi Bato Nyonso, Bakombo na Bamwe, Komama qui na livre de vie. Yamweza très important, O Komama na livre de vie. And it's important for your name to be written in the book of life. Bon an 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 an. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez que ces derniers temps, vous voyez que dans le UK, vous voyez que dans le Rwanda. And it's become a time where people in the UK are sent to. Si vous voyez que vivre dans la période où les policiers, la télévision, la Kangiyo, vous voyez que dans l'immigration, comment vous êtes? Vous voyez que dans le Rwanda. And if the police comes to you, you need immigration. Même dans le livre de vie, il faut que nous ayons dans le livre de vie. And our names have to enter the book. Il y a la prière, il faut que nous ayons dans le livre de vie. And some prayers you need to say. Nous avons des semences dans le cas de Nanga. Nous avons des semences dans le cas de parmi les élus. Il faut que quand on a vu la vie, 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 on a vu la vie. You have to wrap your life around God. Hein? Alléluia. Na 15 balobini. Quiconque ne fut pas trouvé dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Fille. J'étais où? Dans les et Apocalypse 21 verset 8, tout en gâteau c'est ici. Ah ouais, tu vas le dire. Pour les lâches. Et on a battu sur Babengi, on les lâches. Dans la Bible, Babengi, on lâche. Pour les lots, on lit ma manza, mette. Église, on les mis. Hey, pour la pasteur ouana, pour la prophète ouana, parce qu'on les mis, ça va tout na foi. Mais église ouana, tout ça va tout confirmer ça.
And these are the signs of the last days. Lâche à moto yo. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents. Qui s'en empare? Bible nous dit que les lâches, après Balobi balâche, après Babang Balobi banane. Les incrédules. Les incrédules. Les pasteur, on a l'ingangote. Magamboa ba Jésus, on a l'ingangote. Après Balobi dini. Les abominables, les impudiques, les idolâtres, et tous les menteurs. Hein? L'air basera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'air basera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est qui est la seconde? Tu veux tenir le balançant ma boko. Et tous ont continué, Matéa Oyo, la Bible nous dit, ne soyez pas ignorants. La Bible, le son de la trompette va sonner. Et ceux qui sont morts en Christ ressuscitera. Et nous serons allés à la rencontre du Seigneur dans les heures. Nous allons maintenant prier. Moutounions. Everybody now, toko bonde la senga nzambe nazala ya yo. Tala, ezamba prier mututo senga nzambe nazala ya yo. Mets ta semence dans ma vie, Seigneur. Na longwate nazala garete, loin de nazala musika note nazala ya yo, semence na yo, sidi na yo ezala kati na nga.